Et bien nous voici pour le 8ème épisode du Let's Play de Metal Gear Solid 1. Donc dans l'épisode précédent, j'avais tué donc le boss Psycho Mantis. Donc il m'avait ouvert donc l'étagère, il m'avait poussé l'étagère pour que je puisse avancer. Alors je crois... Voilà, j'ai la clé niveau 5, j'ai gagné des points de vie. Ouais, j'ai récupéré des balles, un peu de tout. Voilà, donc on y va. Hop, c'est parti. Alors on va attendre. Les chargements sont un peu longs. Il peut y avoir des loups là-dedans. Moitié loup, moitié frère. Bon alors. Tu t'y connais bien en loup? J'ai des chiens de traîneau. Alors là. Je vous explique. Je vais ouvrir, Snake. Les loups vont vous attaquer, comment dire, quasiment tout le temps. Donc déjà la technique, c'est mettre le nocturne, voilà, de récupérer le maximum de balles. Des rations, pareil. Voilà, là vous êtes pas, vous êtes pareil. Ah, il y a des loups comme vous voyez. Donc là vous êtes pareil. En fait, les loups vont vous attaquer. Donc il y a deux techniques. Il y en a une, c'est tout simple. C'est quand vous aurez fini le jeu. Du moins quand vous aurez tué Sniper Wolf et que vous aurez fini le jeu, vous aurez le bandana de Meryl qui empêchera en fait les loups de vous attaquer. Sinon, ça sera à l'ancienne. Si vous... Sinon il y en a une autre technique que j'ai pas encore jamais essayé, celle-là. Apparemment elle marcherait. Voilà, vous voyez. En fait, voilà, faut vraiment oh mon dieu, les esquiver. Parce que sinon ouais, voilà, vous faites mordre. Ah, mais il y en a deux, il y en a deux. Ah, ils vont me bouffer. Ah, donc là, vous pouvez vous casser. Voilà, c'est parfait. On va rester en nocturne. Ah non, c'est un cul-de-sac. Ah, non, maman. Bon, bah, il faut retourner. Hop là, esquive. Est-ce qu'en haut on pouvait y aller? Non. Bon, eh bien, on va chercher l'endroit. Hein. Hop, KO. Ah, il kick dans sa gueule. C'est toujours pas par là, hein. Je trouve pas, vraiment pas. La sortie. Ah là. Parfait. Hop. Il y a carrément un bébé loup à droite. Alors, je sais plus si ça marche. Voilà, donc là elle va les appeler, je vais me faire mordre. Donc je vous conseille une petite technique rapide. Hop, et vous mettez en boîte. Je vais voir, on va voir tout de suite si ça marche. Là je suis caché en boîte. Ah donc je vais me faire pisser dessus par le chien. Ce qui vous permettra, je crois, donc soit de vous promener avec le carton sans que les chiens ne vous attaquent, soit de passer, je crois, sans le carton à côté d'eux, vu que vous sentirez en fait l'odeur des chiens, vu qu'ils vous auront pissé dessus. Voilà. Donc on peut plus prendre de ration, et on passe à la seconde porte. Ah. Je vais continuer à ouvrir. Reste à l'arrière. Mais le radar ne marche pas. Et on peut pas servir. Donc alors là, faut la suivre, faut suivre, c'est pas si vous voulez pas vous faire péter. Sinon je vais tester une autre technique, je vais juste tout simplement m'allonger au sol, vu que c'est des clés morts, comme ça évitera de se faire péter.
penses quoi? Pas mal, hein? Comment savais-tu où étaient les mines? C'est bizarre, mais quand Mantis rôdait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. T'es impressionné, non? Bon, à nous. Un peu. Un peu seulement? Ouais, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas besoin de la suivre à la trace. Voilà, hop. Moi, oh, personnellement, direct que je vois ça, je me jette à terre. Meryl, touche-toi ! Deux balles. Trois. Bon. C'est laid, la guerre. C'est vraiment très très laid. Voilà pourquoi je teste Sniper Wolf. Sauve-toi. Et ne perds pas espoir en lui. Parce qu'il y a personne qui vient de tirer, c'était Sniper Wolf. C'est... Quand vous êtes gamin, quand vous avez 4-5 ans et que vous jouez à un jeu et que vous voyez ça, ça vous fout les boules. Et maintenant, pourquoi c'est le colonel? Non, sérieux? Le tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir, n'y va pas. Sûrement Sniper Wolf, la meilleure tueuse de Foxhound. Les tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule. Je la connais. Elle peut attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe. Elle va attendre que tu te mettes à découvert. Peut-être, mais Meryl, elle, ne peut pas attendre. Snake, est-ce que tu vois Wolf de là où tu es? Entre ici à la tour, le terrain est à découvert. Elle doit être au deuxième étage de la tour. Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement. C'est une position idéale pour un tireur. À cette distance, tu ne pourras pas l'avoir avec une arme normale. Il te faut un fusil sniper. Colonel, t'inquiète pas. Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix. Ok. Merci. Quoi, Naomi? Rien. Ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout. Tu portes les gènes d'un soldat, pas ceux d'un sauveteur. Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau? J'irai pas jusque-là, mais... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent, et je m'en tape. J'agis à l'instinct. Comme un animal? Je vais sauver Meryl. Je n'ai pas besoin d'excuses. Ok. Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres. Il va lui faire une petite gâterie en revenant, le petit vieux. Mais t'inquiète pas, Colonel. Bon, allez. Je comprends. Désolé. Ah merde, j'avais oublié qu'il y avait les... Ces foutues mines. Faut vraiment que je me casse de là, vite possible. Donc alors là ça va être simple, je vous explique, donc là ça va être un peu long pour vous, donc si je coupe la vidéo des fois un peu avant pour le 9ème épisode, vous inquiéterez pas, parce que en fait, je vous explique ce qui va se passer. Je vais devoir retourner au tout début, là où j'ai battu Revolver Osset, tout simplement car il a, du moins il y avait l'arsenal si vous vous rappelez, l'armurerie, et dedans il y a un des fusils de sniper donc, que j'ai besoin. Est-ce qu'en carton ça fait quelque chose? Ah, c'est bon, il m'attaque pas. En fait, non, je peux faire un nocturne, quitte à être rapide. Autant le faire en nocturne. Ah, il me kiffe. Ah, c'est parce que. Ah, parce que j'avais le truc. Je pense que l'odeur elle disparaît au bout d'un moment. Ah,
Ouais, d'enculé. Ah, mais j'étais carrément sous le truc. Hop là. Allez, go. On se barre de là. Je vais couper rapidement la vidéo, juste au temps de pouvoir charger mon ordinateur portable. Voilà. Donc, me revoici. Ah, voilà, j'ai pas eu le temps de m'échapper. Donc, j'ai eu le temps de charger mon ordinateur. Hop. Vous avez rien raté, hein, je vous rassure, vous avez dû rater quoi, 2 secondes. Le temps que je mette la boîte pour être à couvert, pour éviter que je me fasse attaquer par les loups. Donc, comme je vous disais, il va falloir que je retourne au tout début pour aller chercher le fusil de sniper de précision. Pour abattre, Sniper Wolf. Voilà, Psychomantis a disparu. C'est normal, à l'époque, ça n'inquiétait personne que le cadavre disparaisse alors qu'il n'y a plus aucun garde. Pas de soucis. Donc hop, on se fait très rapide. Go. On va retourner le compromis. Hop, je me barre de là. Donc hop, pareil, on rentre sous la porte. Je pense que ça doit être la première fois que vous voyez autant rusher ce jeu. Hop là. Donc on va se remettre détecteur de mine, voilà. Donc là, faut faire des zigzags si vous voulez pas vous prendre la portée de la mitrailleuse. Ah. Donc là, vous pouvez ramper. Ah non, en même en passant sur le point. Je pensais que je pouvais passer en fait. Non, hop, détecteur de mine. Bon, ça ne fait rien. Hop là. Ça va être le passage vraiment le plus dur et le plus chiant parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait... Ah, attendez. Ah bah non. Ils ont viré, ouais, les capteurs laser, ils sont plus, donc c'est parfait pour moi. Il y a quoi ici? Il y a quoi déjà? Un garde, on s'en fout. Si on n'a pas le temps, faut que j'aille sauver Meryl. Excusez-moi. Je sais plus du tout si c'est le 132 ou 131, on verra bien. Coup de chance, 132. Ouais, il y a vachement plus de gardes que la dernière fois. Hein. Ça, c'est un niveau 3, donc on s'en fout. Niveau 1, pareil, on s'en fout. Niveau 2, on s'en fout. Hop, bon, c'est fait. On va se récupérer un peu de balles au passage. Hop là. Ah. Ah non, me dites pas qu'il y a que des grenades. No smoking, ne pas fumer. Pareil, hop là. Heureusement qu'à l'époque il y avait l'aide à la visée. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bon bah, une fois que je suis repéré. Hein. Hop
Sniper Wolf. Vite, et sauve Meryl. Ah, deux secondes, attendez. Excusez-moi. Je suis un peu occupé. Oh. J'ai dit, excusez-moi, je suis occupé. Je vais aller récupérer un petit truc. Je sais pas si vous vous rappelez rapidement, quand j'avais pété le mur en bas, je voulais aller voir rapidement s'il y avait... parce que j'ai une carte niveau 5, je crois quoi. Enfin, je peux y aller. Donc, on va aller voir si je peux récupérer ce que je voulais récupérer. Hop là. Ok, en haut, on va aller à droite. Comment ça, niveau 6, d'accord. Ah là, je peux... Bon, on va récupérer ce qu'il y a. Ouais, mais attendez, attendez. C'est mon passé. Ah. Caméra. Il y a combien de trucs, dites-moi là. Bon, allez, on peut me casser de là. C'est parti. Bon, et eh bien, on n'a plus qu'à repartir. Hein. Ah putain, ce que c'est là. Niveau 1. Hop là. Pour me faire plaisir, je vais récupérer rapidement le carton. Oui, je rush, je m'en fous complètement de me faire repérer, tout simplement. Hop. Ah ouais, ok. Donc je suis allé récupérer la caisse, vous allez comprendre pourquoi. On va se cacher sous le char, hop. On va attendre un peu que ça se termine. Voilà. Ils retournent à leur position, je peux sortir de là. J'espère que le garde ça pointe pas ici. Voilà. Et bon, et eh bien, c'est parti. Je vous montrerai dans un épisode prochain à quoi sert exactement en fait la caisse que j'ai récupérée, du moins les deux caisses que j'avais eu du moins dans tout le jeu. En fait, si vous préférez, il y a des camions à certains endroits du jeu. Donc il y en avait un au tout début quand vous avez monté le premier ascenseur. Parce que vous avez... Oula, je vais crever là. Qui vous avez sorti du le détecteur de mine. Qui vous avez dû sorti du quai. Et en fait, ça vous permet en fait de vous déplacer dans le jeu très rapidement. Quand par exemple vous êtes vers la fin, vous avez juste à utiliser la caisse et vous allez vous retrouver en fait de la fin jusqu'au début en arrivant en fait dans des camions en attendant qu'un ordinateur vienne en fait déplacer le camion. Ouais. En dessous, on rampant. Pareil sous la porte. Ah, aucune arme, j'avais oublié qu'on n'avait pas utilisé ces armes. En fait, si vous accroupissez, vous avez moins de chances d'être vu par l'ennemi. Et en plus de ça, bah, vu que je suis dans un coin.
Allez, on y go. Ah, mauvais étage. De toute façon, après, vous connaissez la suite. Donc, on va se quitter pour ce 8e épisode. J'espère que cet épisode vous a fait plaisir, que vous continuerez à regarder donc les autres épisodes. Je compte vous faire en fait pas mal de Let's Play cette année, surtout des Let's Play de la campagne de Battle of Kika, de Ghost, beaucoup aussi de gameplay, bon, je vous rassure, du multi hein, sur les autres jeux. Mais je compte faire en fait tout la saga de Metal Gear en Let's Play. En fait, je sais pas encore combien d'épisodes je mettrai à chaque fois. Je pense, j'ai une petite idée, je pense que ça sera peut-être 2 à 4 par en fait par semaine que je compterai mettre en même temps. Comme ça vous aurez tout à regarder. Parce que je pense que je vais bien faire une trentaine d'épisodes, voire une quarantaine, donc ça fera beaucoup si j'en mets un par semaine, ça fera 40 semaines, donc presque un an, c'est trop je trouve. Donc voilà. Donc pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Et à ce, je vous dis donc à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut tout le monde.